Bonjour à tous, c'est le corbeau. Et aujourd'hui, un jeu qui fait peur. Et à chaque fois qu'on fait un jeu qui fait peur, je prends ma voix qui fait peur. Belle musique en tout cas. Là, y'a rien à dire. Aujourd'hui, les gars, on découvre ensemble Too Dark. Écoutez ça, putain, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, mais ça fait peur. Too Dark, le dernier jeu de Frédéric Reynal, une des légendes françaises du jeu vidéo. Frédéric Reynal, le gars qui a créé le survival horror avec Alone in the Dark. Vraiment, un gars fondamental pour le jeu vidéo. Je ne connais pas trop ce jeu, le jeu dont on parle actuellement, la Too Dark, hein, ce jeu-là, que vous avez sous les yeux, sur votre petit écran. Je sais pas trop ce que c'est, apparemment c'est un jeu d'horreur, malgré que graphiquement, vous allez voir, c'est vraiment basique. On se dit pas qu'un jeu peut faire peur en ayant cet aspect graphique-là, mais il paraît que c'est très violent, vraiment horrifique. Donc si vous êtes un peu sensible aux jeux qui font peur, passez votre chemin. Vous l'avez compris, on est dans une vidéo premier contact, mais si jamais ça me plaît, on partira peut-être dans une aventure, hein, donc on verra plus tard, mais bon, pour l'instant, premier contact. Donc les options, j'ai réglé, menu joueur, voilà, SDF, c'est pas moi qui ai marqué SDF, hein, c'est que j'ai tapé au pif pour faire des tests, et ça a écrit SDF, quoi. Voilà, donc recommence l'aventure, je pense. Choix du joueur, bon je comprends rien, aventure, voilà, entrez votre nom et appuyez sur entrer. Là c'est là où j'ai fait comme ça et ça avait écrit SDF. Le corbeau qui joue, c'est mieux. C'était mon premier week-end en famille depuis bien longtemps. Cette affaire de l'université me rendait fou. J'essayais de me détendre, canoë sur le lac et camping dans la forêt. Hélène et les enfants semblaient heureux. Donc là, vous voyez l'aspect graphique, hein, c'est vraiment particulier. Mais l'ambiance est là. Je vous laisse lire ce qui se passe. Hein. Je pense que les modèles 3D des personnages sont faits en voxel. Hein. Ceux qui aiment la technique apprécieront. Je suis pas sûr de mon coup, mais j'ai l'impression... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un aspect rétro. C'est assez dingue. Vous avez vu que le ton est mature, est adulte. Hein. Ok, et là, je prends le contrôle. Non, pas encore. J'y ai cru, mais non. J'ai jamais joué, hein. J'ai fait des petits tests de capture, comme je vous l'ai dit, juste sur cette intro-là, mais je suis même pas allé aussi loin que ça, c'est pour vous dire. D'accord, on retrouve notre femme décapitée, quoi. C'est vrai que ça rigole pas, hein. Et les enfants sont kidnappés. Dans un bus scolaire maléfique. Putain, c'est glauque, les gars. C'est clairement très glauque. Il y a déjà si longtemps que ça s'est passé. Parfois, j'oublie. Et puis, il suffit que je me regarde dans un miroir. Au fond de moi, je sais qu'ils sont toujours vivants. Enfin, non, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus trop pourquoi je continue à les chercher. Pas le choix, c'est ma vie. Putain de vie. Ok les gars, alors c'est parti, je découvre. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour vous déplacer. Effectivement. Ça fonctionne. Ah d'accord, je peux aller à gauche mais j'y vois rien. Il y avait un chat, alors attendez, il y avait marqué un truc. Oula. Alors, ouvrir l'inventaire j'imagine avec tab, je clique pour équiper, déséquiper, utiliser, regardez. Ouais. Information, la main équipée, droite ou gauche, d'accord. Quantité... De balles ou de bonbons.
glisser un objet sur un autre pour les associer, genre briquet avec cigarette, ok. Œil clignotant, c'est les documents à regarder. Exemple d'association d'objets, clope plus cigarette égale sauvegarder, lampe plus pile égale recharger, ok, flingue plus machin, ok, d'accord. Donc, si je fais briquet, hop, je l'équipe. Et effectivement, ça éclaire un petit peu. Les chats sont les prédateurs justiciers de cette ville. J'aime bien les chats. Je devais être un chat dans une autre vie. Putain, c'est un jeu pour moi, les gars, je vous le dis. Je me déplace sur la gauche, là, dans la pénombre. Je vois rien. Je vais éteindre le briquet, je sais pas si on a de l'essence. Placez-vous face aux objets pour interagir avec. Ah, j'ai trouvé ma clé. Ah, d'accord. Cette porte s'ouvre autrement. Attendez, j'ai monté un peu le son dans mes oreilles. Voilà. On a des trucs à droite. Hein. D'accord, on peut parler a priori. Hein. Ça, c'est le menu. D'accord. Ah, si je fais clic gauche... Attends, vous voyez qu'on a... Ah, c'est bon. Le curseur, par contre, c'est le curseur Windows, hein, vous voyez, c'est pas fameux, ça. Cliquez sur la clé dans l'inventaire à gauche de l'écran pour la prendre en main et ouvrir la porte. Donc, j'ai la clé en main, d'accord. J'avance, ça ouvre. Très bien. Objectif intermédiaire. Alors, Smith, donc c'est nous, doit atteindre cet endroit. Smith doit prendre cet objet. Un objet peut être porté par un personnage. Ok. D'accord, donc ça nous dit les emplacements des différents trucs. Juste, pour être sûr. Est-ce que ça s'enlève, ça? Option de contrôle. Mode discret, ouais, on sait pas. Cette maison pue, des cadavres de souris dans le coin, peut-être. Est-ce que je peux ouvrir avec l'interrupteur, là? Ouais. Classe. Ah, c'est joli, hein, c'est très détaillé. Faudrait que je pense à payer la facture. Alors, ici, on a quoi? D'accord, suffit que je m'approche de l'objet et je le prends. Donc la lampe torche, elle est là. Ok. Une ampoule. La télé. Ah! Bonsoir, c'est la troisième disparition d'un enfant depuis le début de l'année. Dans cette triste banlieue de Gloomy Ditch. C'est aux abords de l'ancien parc d'attractions que la petite Anna, 7 ans, a été aperçue pour la dernière fois. Depuis 24 heures, la police passe le quartier au peigne fin. Sans succès, malheureusement. Les recherches ont été abandonnées à l'heure qu'il est. Mais l'enquête se poursuit. Nous vous tiendrons informés de son évolution dès que possible. Paul Roger, à vous les studios. Sympathique. Ah, des piles. Ok. Alors, je vais aller à gauche. Ces piles peuvent recharger votre torche électrique. Pour cela, glissez les piles dans la torche. Ouais, parce que là, on n'y voit rien. Donc, je prends les piles. Je mets dans la torche. Ok. Alors, machine à écrire. 1 sur 113, 2 sur 113, 3 sur 113, 4 sur 113, 5 sur 113, 6 sur 113, 7 sur 113, ouais. Donc des documents que nous n'avons pas, a priori. Hein. On va revenir au début. 113, putain, c'est beaucoup. Ah, l'interrupteur. Voilà. J'ai été bien inspiré d'installer ce passage secret, mais il faut que je retrouve le bouquin qui déclenche le mécanisme. Je m'ouvrirais bien une petite. Ah bah écoute, y'a qu'à demander. Sauvegarde en cours. Ah, quand on fume, on sauvegarde. Sympa. Les bonbons. Les bonbons sont très utiles pour activer à distance levier ou interrupteur, faire du bruit pour attirer l'attention d'un garde, désamorcer les pièges, attirer les enfants, faire marcher les enfants plus vite, équiper le bonbon et lancer-le en cliquant sur la cible. On a un bonbon. Ok. Particulier, mais bon, pourquoi pas.
Alors, y a-t-il un interrupteur? Oui. Super. Ah d'accord. Le faux livre. Une vieille photo de famille jaunie par le temps. Donc le faux livre, il sert au passage secret à gauche. Voici la photo de famille. Une photo qui rappelle un bien triste souvenir. Ouais. C'est vrai que c'est quand même vraiment sombre comme ambiance, quoi. Donc on a le faux livre. Alors, hop, donc je dois prendre le livre, à mon avis, dans la main. Voilà. Et hop là! Yes! Quelques souvenirs à conserver à l'abri des regards. Il n'y a rien dans ces étagères. L'ampoule de mon bureau est grillée. D'accord, c'est ça le bureau, je pense. Je ne vais pas partir les mains vides. Une arme et une torche, c'est un minimum pour se balader à Gloomy Ditch en pleine nuit. Ouais. Je suis pas contre, hein. L'ampoule du bureau est grillée. Attendez. Merde. C'est bon. J'ai l'ampoule. J'ai mis l'ampoule. Ouais, c'est ça. Il faut que je trouve un flingue. J'ai pas encore trouvé le cinglé qui remplira cette vitrine, mais j'ai confiance. Gloomywood m'en fournira un, tôt ou tard. Gloomywood ou Gloomy Ditch? On ne sait pas. Alors, il est gentil, il veut que je trouve un flingue, mais où est-ce que je vais trouver un flingue? On va aller voir par là. Ici, là. Voilà. Et si je me faisais un petit entraînement de tir, ça va me défouler. Il suffit que je pense à l'une de ces ordures de violeurs d'enfants. Ouais. Je prends le flingue, Smith & Wesson, Chief Special de mon père. Toujours utile, ouais. Boîte de munitions. Un nouveau lieu est désormais accessible sur la carte de Gloomywood, le parc d'attractions abandonné Gloomy Ditch. D'accord. C'est là où la gamine a été enlevée, on l'a vu à la télé tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. Putain, ça me plaît, les gars. Donc, je prends le flingue. Et je fais quoi? Je tire sur la bouteille, là? Je tire là? Boum. Encore le disjoncteur. Cette installation commence vraiment à déconner. Bon, on va pas gâcher, hein. Attendez, c'est quoi ça? Boîte de munitions. Ah d'accord, il a fallu que j'ouvre la boîte pour avoir accès aux munitions. Bon, pour l'instant, on va dire que ça va. On n'y voit rien. Le disjoncteur, bah c'est ça. Encore le disjoncteur, cette installation commence vraiment à déconner. J'ai trouvé un tournevis. Alors, avec le tournevis, je peux ouvrir ça? Non, j'ai pas l'impression. Y'a quoi par là? C'est quoi? Journal. Deux enfants ont disparu, leur mère brutalement assassinée. Ah, je crois que c'est nous. Hein. C'est dans la soirée de vendredi qu'un terrible drame a frappé la famille Smith. Alors, en camping dans le parc de Silent Mounds, la famille a été agressée par un individu non identifié. Helen Smith a perdu la vie. Sandra et Martin, respectivement 8 et 10 ans, sont portés disparus. L'unique survivant, le détective Smith, a assassiné. Officier de la police criminelle de Gloomywood est encore sous choc. D'accord, on est un flic alors. Ou peut-être un ancien flic. Oh! Y'a un rat qui me picore là, les gars. Je l'ai écrasé, je crois. Ou je l'ai tué, je sais pas. Des fusibles. Ah. Donc je prends les fusibles. Hein. Et je les mets là. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Et donc, du coup, je pense qu'il faut que j'aille voir la carte qui est dans le bureau. Et le pire, en plus, les gars, ce que je suis en train de me dire, c'est que peut-être que c'est un jeu que je pourrais vous faire sur Twitch. C'est quoi ça? Ah oui, non, je suis con. Enfin bon, dans tous les cas, on va avancer là. On va faire une heure et demie de jeu. Voilà, fallait aller là. Voilà la carte de Gloomywood. Et donc Gloomy Ditch, c'est le nom de l'Amusement Park, hein, de la fête foraine, enfin du... voilà, vous avez compris, du parc d'attractions. Bon bah c'est parti les gars. Kids going missing. Des enfants disparus à Gloomy Ditch, autant dire une info banale. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Smith? Qu'est-ce qui t'amène dans le quartier le plus sordide de cette ville maudite? De toute façon, ça te fera pas de mal de prendre l'air.
Pas sûr que ça soit une bonne idée d'emporter ce flingue. J'avais promis à Hélène de jamais m'en servir. Ancien flic apparemment devenu détective privé. Alors, ici on voit un enfant avec une espèce de vieille dame. Park closed. Ah mais c'est sordide. Gestion des enfants, libération. Pour qu'un enfant suive Smith, il faut au choix. Contact. Se déplacer jusqu'à l'enfant, entrer en contact avec lui. Bonbon. S'équiper d'un bonbon, viser l'enfant, lancer le bonbon. Appel. Cliquez sur le bouton bizarre à droite de l'écran ou sur la touche C. Plusieurs clics rapides dans son appel de plus en plus fort, mais bruit égal danger. D'accord. J'ai trouvé un ticket. L'asile du clown, Dark Ride. Bon pour un tour. Enfant en lit. Ok. On va aller voir à droite. Non, y'a rien. Bon, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Hein. Même l'inventaire qui fait un peu peur quand on le voit comme ça. Bah, en fait, ça passe bien. C'est assez jouable, quoi. Les araignées, je crois. On les écrase. The biggest circus in the world, le plus grand cirque du monde. Petronelli, la fille d'un ancien spectacle de cirque qui se produisait au Gloomy Ditch Amusement Park. Ouais. J'ai pas la clé, d'accord. Faut un pied de biche. Un pied de biche pour ouvrir les caisses, d'accord. Ça, c'est un stand de tir. Hein. Ah, un bâton. Ah oui, j'ai un bâton. Bim, je peux taper avec, je pense. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Hein. Ici. Un bonbon. Ça va être utile, les bonbons. Je vais essayer de vous mettre le son assez fort. Parce que je vous garantis que ça fonctionne très très bien. L'asile du clown. Le Dark Ride, le train fantôme. Bon, bah écoutez les gars. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, un nouveau bonbon. Inventaire rouge, Smith est visible, d'accord. Inventaire bleu, Smith est invisible dans le noir. Mode discret, déplacement plus shift, Smith marche sans bruit, d'accord. Voilà, là je marche sans bruit. Chut. Il y a un bonbon là-haut. J'ai trouvé le bonbon. Chut. Ok. Alors... Utilisation de l'arme en main, clic gauche. Alors, attaque distante, revolver équipé, adversaire en ligne de mire, clignotement rouge, attention, bruit danger. Bon, arme de corps à corps, adversaire à proximité, clignotement rouge, attention. Dégâts minimum égal danger. Ouais. L'attaque, backstab. Arme de corps à corps, adversaire à proximité, approche discrète, clignotement jaune, dégâts max. Ok, donc privilégier la furtivité. Hein. Par contre, là, on a un putain de raton. Bim! Ok, les gars. On a trouvé des piles. Ah, ça fonctionne. Comme quoi, pour installer une ambiance dans les jeux vidéo. L'électricité est coupée, rien ne marche. Pour installer une ambiance dans les jeux vidéo, pas la peine d'avoir des graphismes de fou. Un bon environnement, un lieu crédible. Une ambiance sonore, et c'est parti. Là, je vois des yeux rouges ici, là. Je sais pas ce que c'est, cette histoire. C'est un rat, je pense. Ouais, c'est un rat. Viens là, le raton. Oh! Il a disparu là-dedans, je sais pas pourquoi. Je vais pas y aller. Hein. Attends, y a du sang un peu partout. C'est le décor du train fantôme. Encore un rat là-bas. On voit ses yeux. Ça, c'est un mec ou c'est un mannequin, ça? C'est un mannequin. Quoi que ça saigne. Ça saigne les mannequins? Non, c'est un mannequin, je pense. C'est un mannequin qui saigne.
Oui, ça existe. Dans le monde du cirque, vous connaissez pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je sauvegarde en fumant. Putain, si en vrai j'avais sauvegardé à chaque fois que je fume une clope, ça va, j'aurais du backup, les gars. Et bon, d'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais techniquement, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait quand même quelques vidéos, je n'ai pas fumé, hein, je ne fume plus. Ça doit faire pas loin, peut-être d'une semaine maintenant, j'ai arrêté de fumer. Et bon, bah, RAS, quoi. Attention, sur la gauche, là, on a des lumières clignotantes. Ah, la torche faiblit, la torche faiblit. Ah, mais je suis obligé. Vous voyez que si je l'enlève, on n'y voit rien. Tâteau briquet. Briquet qui est illimité, je pense. Non, c'est clair que dalle. D'accord. Eh, j'ai bien fait de sauvegarder, les gars. Alors, j'ai été empalé. Ah. Je me suis fait empaler comme une merde, on peut le dire. Par ça, là. Ah, faut faire gaffe, hein. Il y a des pièges partout. Hein. Ok, on est arrivé à ce niveau-là. Magazine spécialisé. Numéro spécial, parc d'attraction. 100 trucs pour vous simplifier l'électricité. 1000 astuces pour éviter les problèmes. 10 000 conseils indispensables. Ah bah oui, putain. On va prendre le briquet, hein. Les adversaires détectent Smith grâce au son, à la vision, à la lumière. Ok. J'ai pris mon bâton. Putain, je vais rester planqué là, mais... Il va rentrer, hein. Je vais me faire griller. D'accord, les combats frontaux hein, sont inenvisageables. Je le vois bien, j'ai pas envie de bourriner. Donc on va recharger. On va recharger et on va aller se planquer maintenant qu'on a compris comment ça marche. Donc c'est par ici. Voilà, c'est là. Le magazine, voilà. Putain de raton. Alors, on allume. J'éteins ma lampe. Et là, je suis planqué dans le noir. Ah mais lui il va m'éclairer, attendez. Voilà. Oh la musique, super. Vas-y. On y va les gars. Quand c'est vert, je tape. Hein. Jaune plutôt. Ok, d'accord. Bon, on l'a eu. Le bâton est sûrement pas le truc le plus incroyable. Alors, une interaction à main nue est indiquée par un clignotement vert. Déplacer un cadavre, pousser ou tirer une caisse, actionner un levier, se saisir d'un enfant. J'appuie sur E pour faire ça. Ouais, d'accord. On prend ce cadavre-là, je peux le prendre ou pas? D'accord, j'ai récupéré les piles de sa lampe. Un bonbon. Bon, on va le planquer, hein. On va le mettre là. On va recharger la lampe. D'accord, ici, on a des interrupteurs. Là, on a des piles, on les voit. Et puis, on est déjà passé par ici, je crois. D'accord, ça a ouvert ça. On va se faire une petite sauvegarde. Hein. Voilà. Parce que mon bâton, ils sont bien gentils avec mon bâton, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus... Ah, le pied de bouche pour ouvrir les cercueils. Ah bah regardez. C'est quoi ça? Le pied de biche, voilà. C'est mieux pour taper ça. Voilà. Les clés du guichet.
Wow. Souvenez-vous, à l'entrée, à l'extérieur, sur la gauche, il y avait des caisses que je pouvais ouvrir au pied de biche. Donc on va pas perdre de temps, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, c'est des trucs importants. Je peux passer par là, d'accord. On va ressortir. Putain, c'est chouette, les gars, non? Vous en pensez quoi? Putain, s'il passe sur... sur Twitch, les gars, on va prendre plaisir. On va prendre plaisir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, des munitions. Un bonbon. Voilà, super. Non, recharge. Voilà. On est reparti. On va faire le premier niveau, je pense, dans cette vidéo, c'est tout. Hein. On va pas aller plus loin, on va sauvegarder. Et à mon avis, le reste, ce sera soit pour Twitch, les gars, soit en aventure. Vous le verrez. Puisque là, Darksiders, hein, ça touche à sa fin, clairement. Voilà, c'est par là qu'il faudrait aller. Donc ici, à mon avis, voilà. Ça doit être là-haut. Ils s'en vont. Ok, on y va. Ça rejoint ou pas ici, là? À droite, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, ça rejoint. Ok, ça rejoint carrément. Ça rejoint du ouf, les gars. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond? J'ai l'impression. Des piles. Des munitions. On va aller par là. Ok, on a trouvé plein de trucs. Alors, des cartouches, ça c'est cool. Ah, c'est ça, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, les salopards. Ah, je peux pas lire le truc parce que j'ai pas de lumière. Si je prends le briquet, ouais. Ça raconte comment Eric Scarlett a réussi à faire de Gloomywood une ville florissante. Ouais, bah, ça a bien changé, hein. Parce que là, le peu qu'on en a vu, c'est quand même bien pour avoir. Ok, les gars, on n'a pas peur. On a peur, on a peur. On a peur. Allez, on y va en aveugle, voilà. Le petit dit qu'il a toujours rêvé d'être lanceur de couteaux et du coup il lance des couteaux. Frédéric Reynal, ça c'est un petit clin d'œil, je crois, parce que dans Alone in the Dark, il y avait un truc très connu de ce genre. Vous tombez dans un trou sans raison. Et du coup, après, pendant tout le jeu, vous aviez peur de retomber dans un trou, parce que c'était game over. Hein. Mais ça n'arrivait pas. Bon, conclusion, faut pas trop se déplacer à l'aveuglette. Hein. Hop. On récupère tous les trucs. Sort le lit comme tout à l'heure. Non, là, il m'a vu, là. J'ai pris le flingue, les gars. Non, non, c'est bon. Il y en a un qui est parti. Ah ouais, l'autre, par contre, j'ai l'impression que... Non, c'est bon.
Le bonbon, voilà. Attends, mais du coup, je fais quoi, moi, les gars, là? Donc, je sais, il y a le trou, hein. Ah, il m'a entendu. Il m'a entendu. Non, je suis comme ça, moi, les gars. Pas me faire chier. Et maintenant, la furtivité est de mise. J'espère qu'il se retourne pas. Ouais, je sais pas tout ce qu'il va faire, mais... J'ai pas envie de gâcher des balles pour lui, hein. Je crois que je vais pas avoir le choix. Ah ouais, mais lui, il lance des couteaux, du coup, bien sûr, évidemment. Du coup, on récupère le couteau, c'est pas mal, ça. Et des piles. Ok, sauvegarde. Alors ouais, l'inventaire, par contre, s'il s'encombre comme ça pendant tout le jeu, enfin, ou du moins pendant tous les niveaux, quoi, ça va moins me plaire, hein. Un tarif avec un message. Karim a laissé un message. J'ai caché la clé, bande de nazes. Karim, mais la clé, on l'a, les gars. On l'a, la clé. Alors, par contre, attention, on est tombé. C'est ici où on était tombé, hein. Qu'on va pas y aller, hein. Prenez la clé en main pour ouvrir la porte. Elle est là. Hop là. Hop. Liste de gens. Intéressante cette liste. Quelques noms me sont familiers. Alors. Nicolas Gaume, Laurent Michaud. On va tout faire. Hein. Francis Machin, Samuel Safa, Jérémy... Éric Hautemont, Benjamin Rénal. Alors Rénal, ok. Benjamin, je sais pas. Fabien Desplanos, Loïc Machin... Marguerite Fréco, Omar Cornu, Camille Pontus, Kasia Javorska, Olivier Kovalchik, Sébastien Fréco, Jury Machin, Julien Pirou. Julien Pirou, les gars. Julien Pirou. Ouais, Julien Pirou, il est connu. Il bossait sur No Life, je crois. Truc comme ça. Maë Tardy, Arnaud Facon, Bertrand Amard. Bertrand Amard, GG. Éric Chahi, hop, la légende, mon préféré. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je connais pas. Alexis Blanc. Je connais... Merde. Ouais, Tony Machin, je connais pas, je connais pas. Ça, c'est incroyable, quand même. Éric Bonnet. C'est pas genre le président d'Infogrames, un truc comme ça, lui, Eric Bonnet, ça dit quelque chose. Ah bah dis donc. C'est pas mal. Le cadenas bloque la porte, mais on a vu un coup de pied de biche, et ça saute. Voilà. Est-ce qu'il me reste des piles? Ouais, ouais, j'ai des piles. Tu es venu admirer le spectacle du grand Antonio, mon ami. C'est un dresseur d'enfants, en fait, quoi. C'est un jeune malade. Ah, c'est ça, il déguise des enfants d'animaux, il les fait faire des spectacles. Ouais, c'est malsain, les gars. Ah bien, je peux jouer. Très bien. Ok, on a des bonbons. Alors, bon, déjà, on va sauvegarder sans réfléchir. Et bien sûr, je pense que je n'ai plus de balles, si. Heureusement qu'on allait forcer les caisses au début. Hein. Ces trois-là sont comme des toutous bien dressés. Ah non, mais c'est un jeu de malade. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas revenir en arrière. Alors, je prends le pied de biche. Il se passe rien. Droite, gauche, je peux pas y aller. Hein. J'ai 4 balles, les gars. Ah, regardez. Ça, c'est des interrupteurs pour les bonbons, ça. Voilà. Waouh.
Ah, j'ai libéré les petits lionceaux là. D'accord, donc on est en présence d'un jeu style Die and Retry, j'ai l'impression. On meurt, c'est normal. Ok. Ah, j'allais sauvegarder après, non? Bon, pas grave, c'est pas loin. Voilà. Bon, là je re-sauvegarde, je suis pas fou. Voilà, ça a sauvegardé. Donc, interrupteur de gauche, on va éviter celui de droite. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Il est où le taré là? Il est là. Enculé. Kidnappeur d'enfants. On a récupéré la batte de Petronelli. Alors, du coup... Les tigrous... On est d'accord que... L'interrupteur de droite ne pose pas de problème. Hein. Je vais en être sûr. Hein. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Alors, les enfants, n'ayez pas peur. Stan. Smith doit accompagner les enfants jusqu'à la sortie. Way out, d'accord. En groupe ou séparément. Les enfants suivent exactement la trace de Smith. Si je leur dis chut, ils s'arrêtent, ils font pas de bruit. Si je dis suivez-moi, ils arrivent. Manière forte, Smith peut s'emparer d'un enfant pour l'amener de force où il veut. Les enfants sont saufs lorsqu'ils atteignent la zone lumineuse. D'accord. Alors, Stan, j'ai envie de faire pipi, il nous dit. T'inquiète pas, il y a plus important, mon gars. Non, non, c'est bon. On se calme. Toi, viens là, toi. Ok, les gars, c'est bon, vous suivez, là? D'accord, faut qu'il soit jaune pour qu'il suive. Ah, quand ils ont vu le clown, ils ont eu peur, en fait. Ils ont vu le cadavre. Vous inquiétez pas, les enfants. C'est pas grave. C'est des cadavres de clown, vous en verrez d'autres dans votre vie, normalement. Enfin, ouais, pas sûr, remarque. Bon, on va les laisser là, on va fouiller pour l'instant. Une photo d'Antonio Petronelli. Ouais, bah écoutez, il est mort. Une bougie. Ah, j'ai plus de batterie. Ah, si, si, c'est bon. D'ailleurs, on va peut-être prendre la bougie. Ouais, ça éclaire pas mal, cette histoire de bougie, là. Hop, le petit diable. Ouais, encore des piles. Là-dedans. Non, y'a rien. On va ressortir par là. On va aller voir à gauche. N'ayez pas peur, les enfants, c'est bon, je suis là. Je prends pas les gosses pour l'instant. Parfois, vous aurez besoin de vous déplacer très discrètement. Rapprochez le pointeur de souris de Smith. Ou appuyez sur la touche Shift pour progresser à petits pas. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je me déplace au clavier, mais en fait, je peux faire comme ça. C'est des lionceaux, ça, non? Ah oui, parce que de toute façon, à droite, je peux pas ressortir. On le sait. Ouais, ouais. On le sait. Donc, on va sauvegarder. Ah, c'est pas mal. Franchement, ça me plaît bien. C'est old school, aussi bien visuellement que dans les mécanismes. Hein. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, venez là, les petits. Elle est où, ma maman, il demande. C'est horrible. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez marcher comme moi, les enfants? Ouais, super. J'ai l'impression qu'ils le font. Hein. Alors, venez par là. Faut pas avoir peur, il y a juste un petit chaton qui est un peu plus gros que les chatons habituels. C'est un Simba, quoi. Ils sont cool. On va éteindre la lumière. Ils font du bruit, hein. Eux, ils font du bruit. Tu sais où on va, monsieur? Ouais, ouais, ouais. Ah, il y en a un autre enfant, ici! Dans la cage!
Là, c'est morbide. Ah, il y a un lionceau encore, là. On va le chercher. Alors, du coup... D'accord. Mauvaise idée. Mauvaise idée, très clairement. Bon. Pourtant, j'avais dit chute vraiment pas fort, hein, mais ça suffit apparemment. Allez, revenez avec moi. On va se dépêcher. On va attendre qu'ils arrivent. Petite sauvegarde, hein, de toute façon. Ça mange pas de pain. À mon avis, les lionceaux, je peux pas les tuer, je pense. C'est impossible. Allez, suivez-moi, les enfants, mais pas de bruit. Quoi, il y aurait quelque chose, là? Ah, mais ça va faire un bruit dingue. Ah non, c'est bon. Je peux ouvrir les caisses sans réveiller les lionceaux. Et... Ah, le rat, il va pas réveiller les lions, quand même. Ok. Ah ouais, quelques balles. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc ici, on a quelque chose. Là. Vous voyez ce petit truc là, on va aller voir. Voilà. Ouais, c'est un bonbon, quoi. Alors, je dois peut-être pouvoir activer ça à distance. Voilà. Ok. C'est la panique un peu, les gars. J'espère que ça passe, putain. On va reprendre le bonbon. Il est méchant, le clown. Je veux rentrer à la maison. Il est pas très gentil, on va dire, ouais. Ok, n'ayez pas peur. Non, Stan, toi aussi. Ah, les gamins, ils sont dissipés, je vous jure. Allez, par ici, je vais vous sauver, moi. Bon, on est clairement en présence d'un jeu fait par des psychopathes. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai qu'au moins... ils vont au bout du concept, quoi. C'est plutôt pas mal. On a trouvé un indice. Le bon accompagnant une livraison et donnant divers détails. Alors, Antonio Service, ok. Sylvia Scarlett. Adresse, comme d'habitude. Et elle a acheté un FAG7W machin, un autre MAG, je sais pas ce que c'est. 80-90 de prix. Ouais, ça m'aide pas beaucoup. La clé des docks. Ok. Pas de panique, les enfants. C'est quoi ça? Une liste de gens. Encore? Vincent Loom. Loom, c'est le nom d'un vieux jeu, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? BMMM. Je connais pas, je connais pas. Là. Dites-moi si je rate des noms hein, de gars connus. C'est intéressant en tout cas. Florian Boulet. Ah, ça aurait été. Pierre Boulet. Écrit comme ça, j'aurais dit ok, mais là. Écoutez, là ça me dit rien. Non, là je repère personne de connu. Bon, on va prendre la lampe. Ah, il y a des gars en bas. Oh putain, j'avais pas vu ça. Ok, ok, ok. Alors restez là. C'est bon. Ah merde, on a oublié un. Il y a Stan qui nous suit. Je crois qu'on a paumé un gamin. Celui avec un pull gris qui couinait comme une souris. Je ne retrouve plus sa caisse. Il y en a un dans une caisse. Oh non, c'était le plus mignon. Il sentait bon en plus. Putain, mais c'est horrible, les gars. Il faut retrouver cette caisse. Ouais, mais d'abord, on va essayer de se débarrasser de ces trois malfrats.
Alors par contre, Stan, j'avais dit chute. On écoute les grands. Voilà. Dégage, Stan. Bon, on va jouer autrement. Venez là. Voilà, tout là-bas. Chute. Ok, c'est bon. À nous de jouer. Lui, il va passer là, hein. On est d'accord. Attaque frontale, backstab. Ouais, ouais, je connais, les gars, je connais. On va backstab, peut-être. Voilà. Boum, backstab. Ah, il fait moi le malin. Ah, putain. Les rats. Faut trouver le gamin. Au moins, avec la batte du clown psychopathe, on a vu que, putain, les backstabs, ils faisaient très très mal. Hein. On entend les gamins qui pleurent au loin. C'est ignoble. Franchement. Ah, merde. Un cadavre a été détecté. Ah ouais, c'est lui, merde. J'ai combien de balles? 2. Ils sont tous armés ou pas? Lui, oui, c'est sûr. Ouais, lui aussi. Et ouais, donc planquer les cadavres, c'est primordial. On en a eu la preuve. Je vais essayer de me dépêcher. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Venez là, hop, et restez là. Ok les gars, c'est parti. On sait que lui... Ouais, voilà, ils vont nous refaire tout leur petit speech habituel. On a paumé un gamin. C'était quoi ça, le ticket, les bonbons? Avec les bonbons, on peut s'en servir hein, pour attirer les gardes, hein, je crois. Et donc, n'oublions pas qu'il faut vraiment les planquer. On va attendre qu'ils aient fini leur petit speech. Voilà. Et maintenant, je fais ma sauvegarde. Comme ça, s'il y a un problème, on recommencera directement ici. Ok. Alors. Donc, c'est lui qui se balade un peu partout. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai le temps d'ouvrir les caisses, même si on sait qu'il n'y a rien. C'est peut-être aléatoire, hein, on sait pas. Ok, je suis plus ou moins planqué à mon avis. Non, je suis pas du tout planqué. Ouais. Vous inquiétez pas, j'ai compris comment ça marche. Donc, est-ce que je pourrais... me faire lui discrètement, là. D'un coup, c'est possible, hein? Non. On peut pas. Né. Il faut que j'attende que le mec à droite fasse le tour, hein, j'ai pas le choix, voilà, il faut la jouer prudemment. Quoi. Là, on a Stan et Kenny, là. July et Luna. Stan et Kenny, on voit la référence, July et Luna, je l'ai pas. Ok. Parfait. C'est possible, c'est incroyable. Là, on a rameuté un gars, là. Eh ouais, 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 carrément. Ok, il nous verra pas. On va aller le planquer là-haut. Pas possible! Waouh! C'est dur, hein? C'est
carrément super dur. On va faire des sauvegardes tout le temps, les gars. On va faire en sorte que ça dure pas 4 heures pour vous. Tout va bien. Ok. Et là, on a rameuté personne, je crois. On va le planquer là, derrière le machin. Ok. Et on sauvegarde. C'est fait. On ouvre les caisses. On voit que le gamin n'est pas là. Allez, putain de rat. Et là, il va falloir commencer à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc, n'oublions pas qu'il y a les bonbons hein, qui peuvent attirer des dégâts, apparemment. Ça, c'est quoi? C'est le champ de vision, ça? Alors, si je prends un bonbon. D'accord. Eh ben putain les gars, on va en chier. On va en chier, mais je comprends pas trop ce que je suis censé faire en fait. Là j'ai le bonbon, d'accord, mais je peux en faire quoi de ce bonbon? On va faire des tests. Hein. Faudrait que je les sépare, quoi, qu'il y en ait un dans un coin, que je puisse aller me le faire, mais... Mais comment? Ah merde, qu'est-ce que je suis con aussi. En même temps, là, c'est pas mal quand il fait ça, non? Il y a forcément une astuce. Bon, déjà, faut pas que je cours, on le sait. Bon. Je peux passer en bas, en fait, tout simplement. Là, vous voyez, il y a une espèce de rond. Donc voilà, je peux passer là. Ok. D'accord, il est dans cette caisse-là. On l'a repéré. Alors, une fois que je suis là, est-ce que je peux faire un truc genre ça? Allez mon gars, viens par là. Et voilà le travail. On n'en parle plus. Allez, viens par là petit. Eh oui, je savais que t'étais là. Ouais, donc comme quoi c'est faisable, hein. C'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Enfin, en tout cas, là, en étant un minimum malin, on a réussi. Allez, hop, on va chercher les autres gamins. Attention, au lionceau. Allez, par ici, hop, on prend tout le monde, hop, hop, hop. Allez. Cette personne est morte, tu crois? Non, non, il fait dodo! Oh, merde.
Putain, ils ont peur du clou de mort. C'est vrai. Voilà. C'est bon, il est parti. Allez hop, par ici les petits. Putain, attention, je vais les réveiller les lions, je sens. Non, c'est bon. Allez hop. On dégage. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, là aussi. Ouais, oh, ça va. Faut penser à tout, hein. Voilà. Hop. La clé, on l'a. Je vais pas prendre de risque. Je vais sauvegarder au cas où si on a une nouvelle surprise, mais je pense pas, je pense qu'on est bon. Partie sauvegarder. Ok, j'ai le flingue. Way out, c'est bon, c'est là. Donc Esther, Luna, Kenistan, machin, on a tout le monde. Il reste des enfants à sauver. Sans déconner. Il reste des enfants à sauver. Non. Merde. D'accord. Bah écoutez les gars, s'il reste des enfants à sauver, on va les sauver, hein. On va fouiller dans toutes les caisses, un petit peu partout. Maintenant qu'on a le pied de biche. On va faire attention aux pièges, aux trous et à toutes les saloperies. On va faire un tour, hein, si je le trouve pas. On va pas y passer 2 heures, je le ferai de mon côté. Là, voilà. Ils sont capables d'avoir planqué les gamins dans les cercueils. Hein. Alors moi que j'ai oublié un gamin dans la salle de spectacle du dressage d'animaux, là, c'est possible, hein. Et même des salles qu'on n'avait pas fait en fait. Fermeture du Gloomiditch Amusement Park. Le porte-parole de la mairie a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive du parc d'attractions du Gloomiditch. Depuis des mois, les attractions fermées les unes après les autres. Seul restait le pitoyable cirque Petronelli dont le spectacle ridicule n'attirait plus personne. Ouais. Ah, je peux zoomer. Je peux zoomer. Bien. Des munitions, ça c'est plutôt cool. Ouais, alors attention. Ouais, j'ai repéré les gars, vous inquiétez pas. Là, c'est le piège, là. Si je marche doucement... Ouais, ça passe pas. Bien. T'as comme quoi, faut avoir l'œil. Haha. Ouais, c'était ça, là. Waouh. Voilà. Putain! Ça ne rigole pas comme jeu. Non, non, c'était bien comme ça, je crois. Voilà, c'est comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier? J'ai caché la clé bande de naze. Ouais, mais on a déjà tout ça. On l'a déjà fait. Ah putain, là, c'est les lions là.
Ça, on l'a déjà fait. Putain, mais il reste un gamin, sérieux? Ah, mais comment je fais pour monter, du coup, moi? J'ai pas envie de tuer les lions, hein. Je vais être obligé, je crois. Ah non, faudrait que je repasse de l'autre côté, du coup. Ouais, c'est ça. Oh là là là, les gars. Allez, on est parti. En gros, faut que... Faut que je repasse par dehors, quoi. Eh ben, yon. Là, il y avait un petit cercueil qu'on voyait mal, hein, mais il n'y a rien dedans. Où est-ce qu'il peut rester un gamin, quoi? C'est incroyable! Ça, on l'a déjà ouvert. On va faire toutes les caisses. Peut-être dans le camion. Est-ce que je peux y monter dans ce camion? Tout ça, on l'a déjà fait. Hein. Là, il n'y a rien. Là, est-ce que j'en aurais pas oublié un ici? J'en ai pas oublié. Hein. Faire un tour du côté des lions, sinon on va s'arrêter là. Hein. Je vais continuer tout seul, ça sert à rien de faire une vidéo où je cherche un désespérément. Alors. Ah putain. Ah. D'accord. Ok. Désolé d'avoir tué les lions. Ça me gêne vraiment, mais bon. Là, il y a un enfant quelque part ici. Oh, il n'y a pas d'enfant. Écoutez les gars, je sais pas. À moins qu'il y ait un truc que j'ai mal compris. Est-ce qu'il y avait marqué? Non, je crois qu'il y avait marqué ça. Vous n'avez pas sauvé tous les enfants. Vous n'avez pas tous les indices, peut-être. Dans des indices, on en a trouvé. Hein. Là, je pense que je suis allé partout. Hein. Ah oui, je suis allé partout là, c'est sûr. Ça, c'est pas des caisses. Non. Là, il n'y a pas d'enfants. Non, mais il n'y a plus d'enfants, je suis pas fou, hein. Putain, j'ai tué les lions pour rien, horrible. Il n'y a pas d'enfant et j'ai fouillé partout. Là, à part dans le camion, je vois pas où il peut y en avoir. Hein. Dans cette caisse-là? Non, sur la seule caisse que j'avais pas ouverte.
Je peux pas l'ouvrir le camion. Ah, je peux pas. D'accord. Il reste des enfants à sauver. Je n'ai pas encore assez de preuves. Je ne peux pas partir. Sérieusement? Écoutez, on va aller voir sur Internet. C'est parti. Alors, on va se faire ça à la bonne franquette. Hein. Bim. Alors, je vais mettre Too Dark Solus. Alors. Donc. Vous êtes attaqué par des araignées, occupez-vous d'elles. Entrez par la porte. Dans la demeure de l'étrange perso. Entrez par la porte du shérif de. Quoi? La porte du shérif d'Oute, il y a une porte. Il n'y a pas de porte. Ça, c'est une porte, ça? Ouah, les gars, j'aurais jamais, jamais, jamais trouvé. Pas de regret. Comment te dire? Tant que tu me fais pas plus chier que ça, ça va aller, mais... La merveilleuse femme à barbe. J'aurais jamais trouvé, les gars. Un pendentif doré. Je possède tous les indices de ce niveau. Merci, étranger. Non, mais de rien, je... Je suis dubitatif, quoi. Là, il y a une porte. Ah, oh, putain, les gars. Ah, c'était la femme à barbe, en fait. Haha. Anna et Mickaël, bon bah venez par là les gars. Ok, donc maintenant voilà, on le sait. Hein. Il faut tout fouiller. En même temps, on aurait pu voir, je pense, la femme à barbe rentrer dès le début du niveau. Go home. 14 bonbons sur 15, aucune victime, on en a fait 6. Ah ouais, aucune victime les gars, waouh. C'est chaud. Maintenant, j'ai vraiment besoin d'une longue douche bien chaude. Quel endroit, ce gars déguisé en clown à vomir. Combien d'enfants ont-ils pu kidnapper comme ça? Pour les envoyer en dessous. Cette espèce de bon de livraison est forcément une piste. Mais voilà les gars, une heure de vidéo, on a fait le premier niveau. Je suis allé voir sur le net, hein, vous l'avez vu, mais franchement, j'aurais jamais trouvé. Donc pas de regret, maintenant on sait qu'il faut que je fouille partout. Peut-être une aventure sur ce jeu ou pas, dites-moi en commentaire si jamais des gens regardent cette vidéo. Dans tous les cas, amusez-vous bien. Et ciao.